Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter ce premier numéro du journal vidéo Lyons Normandie. Nous recevons aujourd'hui pour la première fois Jocelyne Thibault, notre gouverneur. Jocelyne, bonjour. Bonjour Georges. Jocelyne, tout le monde ne te connaît pas forcément encore. Peux-tu te présenter en quelques mots? Je peux te dire que je suis rouennaise et que j'ai été mariée pendant de très nombreuses années avec Jean-Pierre. Aujourd'hui, je suis seule. Je le suis depuis 15 ans et j'ai continué d'élever mes trois enfants. Qui sont grands maintenant et qui ont deux petits garçons. Voilà pour la situation familiale. Dans Lyonis, eh bien, j'ai exercé un petit peu tous les postes, mais je crois que pour être gouverneur, c'est utile. Jocelyne, tu as pris tes fonctions depuis le 12 juillet, je crois, et tu t'es fixé des objectifs pour la durée de ton gouvernorat. Peux-tu nous les indiquer ou nous les rappeler? Oui, c'est très facile. Je vais te dire qu'il y a deux objectifs principaux dans ce gouvernorat que je me suis fixé. J'essaierai de m'y tenir, mais il y a aussi d'autres idées que je voudrais retenir. Alors le premier objectif est bien sûr, tout le monde va s'y attendre, c'est la vitalité des clubs. Je vais faire un effort très 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 important sur ce secteur. J'ai déjà commencé. Les vice-gouverneurs, le premier et le deuxième, Hugues et Jean-Pierre, vont m'aider dans cette tâche et j'ai bien l'intention de faire d'abord un état des lieux. C'est commencé, les présidents des clubs le savent déjà. Et puis, à partir de cet état des lieux, nous allons continuer et nous serons très près des clubs. Si dans le contexte actuel de notre association, la vitalité des clubs est certainement l'élément le plus important aujourd'hui, il y a un deuxième élément qui m'intéresse beaucoup et sur lequel nous reviendrons largement, c'est celui de la communication. En quelques mots, nous maintiendrons des articles, bien entendu, dans notre presse nationale. L'Agora, le journal du district, est également maintenu. Et l'effort sera peut-être un petit peu accentué sur la communication locale. Cette vidéo, qui est un élément un petit peu nouveau, mais qui me paraît tout à fait intéressant et certainement animé. Et puis les sites, le site notamment des clubs, j'y reviendrai très largement, notamment lors de mes visites, dès les premières visites dans les comités consultatifs de zone. À côté des deux points que je viens d'évoquer, qui sont certainement les plus importants cette année, je veux tout de même ajouter qu'il y a d'autres raisons de s'intéresser à l'humanisme, à l'humanitaire, à la jeunesse. Donc, je ne perdrai pas non plus de vue ces commissions et ces actes de pensée et d'action. La meilleure preuve, c'est que j'ai déjà commencé à participer aux réunions de la commission humaniste et que je n'ai pas du tout l'intention de m'arrêter là. Voilà. Quelques mots sur notre prochain congrès d'automne à Bois-Guillaume. C'est à quelques pas de Rouen, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous aurez l'occasion de découvrir une petite ville sympathique. Tout est prêt, tout est organisé. Matériellement, les lieux de congrès, de réception et d'hébergement seront proches. Il n'y a donc aucun souci pour les gens qui viennent en voiture et même d'une autre façon. C'est Claude Lechat qui organise ce congrès. Il fait partie du club de Rouen-Dracard. C'est auprès de lui qu'il faut vous adresser si vous avez quelques interrogations. Il connaît parfaitement et tout est parfaitement au point. Sur le fond du congrès, eh bien, je voudrais que ce soit à la fois un congrès dans lequel on va travailler. On va travailler de différentes façons pendant le congrès, bien sûr. Et aussi pendant des ateliers.
Je vais organiser 4 ateliers qui auront des thèmes assez différents. Vous aurez donc le choix de vous inscrire dans l'un, dans l'autre. Et j'espère que ce sera un petit peu innovant. Les sujets ne correspondent pas à ceux que l'on a l'habitude de croiser, mais ils correspondent plutôt à nos interrogations et à nos soucis actuels dans l'ionisme. Donc c'est une bonne occasion d'essayer de nous débarrasser de nos soucis ou de nous donner les moyens de nous en débarrasser. Voilà, donc vous aurez peu de temps avant le congrès, fin septembre peut-être, une intervention de Claude Lechable qui viendra vous donner des détails pratiques certainement sur ce congrès, mais dès maintenant, interrogez-le et comme vous pouvez le faire auprès de moi, je suis à votre entière disposition pour vous donner davantage d'informations sur ce congrès. J'espère qu'on sera très très nombreux et j'ajoute tout de même qu'il y aura bien sûr une soirée conviviale de prévue le vendredi soir. Elle sera simple mais animée par un groupe Digan. J'espère que vous aimerez, comme j'aime beaucoup cette musique. Bien, chers amis, nous remercions Jocelyne de nous avoir consacré ces quelques minutes. Maintenant, nous allons aborder le chapitre des nouvelles du district. Ce chapitre sera évoqué dans chacun de nos journaux mensuels. Alors, tout d'abord, les annonces. Je vais vous faire part de celles qui émanent du club de Deauville-Trouville, qui organise au casino de Trouville le 21 août, sous la houlette de Jean-Paul Nomblot, au casino de Trouville, donc une soirée au profit de médicaux. Nous avons ensuite Duclair les Abbayes, qui nous a fait part de l'organisation de son barbecue annuel le jeudi 3 septembre. Là, vous aurez une animation assurée par les trompes de la vallée d'Or. Nous avons également Cherbourg-Chanteraine qui vous convie à sa randonnée pédestre au profit de la SNSM le 13 septembre. Là aussi, vous pouvez vous adresser à Nicole Pellissier. Voilà au chapitre des nouvelles. Pour cette fois-ci, j'invite tous les clubs à nous remonter leurs actions et ces différentes nouvelles qui trouveront ici un très large écho. Dans le cadre des informations pratiques, vous pouvez trouver sur le site du district Normandie, bien sûr, vous pouvez trouver l'agenda du district de 2009-2010. Autre message à vous communiquer de la part du secrétaire du district qui s'adresse spécialement au secrétaire de club, n'oubliez pas de remonter les RME à temps, l'idéal étant qu'ils soient remontés avant le 20 de chaque mois. Alors n'oubliez pas celui de ce mois-ci, même si les vacances continuent à courir pour certains d'entre nous, et nous vous en remercions. Sachez enfin que le prochain journal vidéo de notre district aura pour invité notre premier vice-gouverneur, Hugues Emono. Merci de votre attention et au prochain journal.